Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Inaria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour ce qui s'arrête, ce qui continue et ce qui commence pour vous en 2024. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Hop, cette vidéo sera pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre vidéo et sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Les lions, je tenais, avant de commencer, à vous remercier infiniment du fond du cœur pour tous vos visionnages, vos abonnements, vos commentaires, vos likes et vos partages sur ma chaîne. Sans vous, elle ne serait pas ce qu'elle est. Alors merci du fond du cœur. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront si le cœur vous en dit. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos si vous le souhaitez. En description, dessous cette vidéo, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Mes lions, ça reste évidemment une guidance générale qui ne va pas résonner avec la même force ou de la même manière pour tout le monde. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Pourquoi pas revenir aussi plus tard, et même bien plus tard, courant 2024, sur cette vidéo, puisqu'évidemment, des énergies qui ne vous résonnent pas de suite peuvent vous faire tilt à un moment donné plus tard. Donc, je vais commencer avec ce tarot par aller chercher trois cartes. D'accord? Et ensuite, on ira donc par colonne et on ira développer au fur et à mesure, et je vous explique. Allez, c'est parti. J'ai commencé par les béliers et mon Dieu, j'ai adoré faire ce tirage. Je réfléchissais à quel tirage je pouvais faire pour 2024, pour tous mes signes. Et puis voilà, c'est en cherchant, en m'inspirant, en guidance, voilà, pouf, j'ai été poussée à faire ça et j'ai adoré. J'ai adoré être inspirée par ce concept et j'ai adoré le tirage des béliers. Donc, j'espère que je vais l'aimer pour vous autant et que ça va parler autant, et enfin, il est incroyable, incroyable. Alors, mes lions, la première carte pour 2024 pour vous, alors, ce qui s'arrête, ou ce qui serait bien, voilà, ce qui serait bien que ça s'arrête. Oh, ok. Ce qui continue, ou ce qui est bien de continuer. Ok. Et ce qui commence, hop, à la volée. Très bien. Allez, mes lions. Qu'est-ce qui s'arrête pour vous en 2024? Le mensonge. Le manque d'équilibre. Il y a un paradoxe là. Le fait de vouloir voir les choses. Le fait de ne pas voir la vérité. Waouh. Tout ce qui n'est pas équilibré, tout ce qui n'est pas juste, tout ce que vous ressentez d'une manière, mais vivez, incarnez et faites différemment de comment vous le sentez. Tout ce qui n'est pas aligné entre ce que je sais, je comprends, et je ressens, ça s'arrête. En fait, j'ai un équilibrage là. J'ai un équilibre qui arrive. Donc le déséquilibre s'arrête. On arrête l'injustice envers soi-même. On applique une justice à soi-même. On est beaucoup plus juste avec soi-même et beaucoup plus juste en fonction de ce qui se passe dans la situation. On est beaucoup plus dans la vérité, dans les vrais actes par rapport aux vrais ressentis, dans les vraies paroles, par rapport à ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on sait. On arrête tout ce qui est injuste. Ok. Pouh. Ok. Je vais aller voir avec celui-ci. Le pourquoi. Pourquoi c'est nécessaire. Pourquoi. Bon, après, c'est un peu logique. Hein. Pourquoi l'injustice doit s'arrêter? Parce que on arrête de ne pas trancher. On arrête de ne pas dire clairement ce qu'on pense. On arrête. Mais moi, j'ai vu la deuxième carte. Donc, en fait, j'ai déjà le paradoxe. Pourquoi? Parce qu'on se cache à soi-même des choses. C'est pas ça. C'est qu'on cache... Ok, j'entends. La peur d'être mal vu.
la peur d'être jugée, la peur d'être trop impartiale, la peur d'être qu'on nous considère comme elle est trop ou il est trop tranché. Ça, on arrête, on s'en fiche. Qu'est-ce que ça cache ? On arrête de cacher, on arrête de se mentir, là. Ou d'accepter les mensonges. Et si il y a des vérités qui sont vécues, ressenties, mais pas exprimées authentiquement, on fera tout pour que ce soit révélé. Waouh ! Pourquoi ? Parce qu'on en a marre de ce qui est secret, de ce qui est caché. On en a marre de se cacher, on en a marre de ne pas pouvoir tout dire. On en a marre de ne pas... Ça déséquilibre parce que du coup, tout ce qu'on ne dit pas qui reste à l'intérieur, du coup, on vit avec, intérieurement. Mais on a comme un sentiment d'injustice là, que ça ne soit pas ce qui est à l'extérieur. Et on en a marre de devoir avoir l'impression de plus porter ce qu'il y a à l'intérieur qui est caché que ce qui peut être à l'extérieur et qui n'est que apparence. Ouh là 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 là. Pour certains, on arrête une situation difficile par un procès, par quelque chose d'officiel, par une déclaration. On arrête d'avoir peur de faire ce qu'il faut, que ce soit en justice ou en déclaration ou en « je dois voir la vérité en face ». On arrête de ne pas faire ce qu'il faut pour que tout soit révélé le plus justement et équilibré possible. On veut complètement arrêter l'injustice, là. Tout ce qui est injuste, on y met un terme en 2024. Waouh ! Et là, je ne sais pas c'est dans quel domaine, ça peut être dans le professionnel, ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être une relation de couple, ça peut être un contrat qui s'arrête ou quelque chose qui doit être signé, qui est plus juste. On remet chaque chose à sa place, là. Tout ce qui n'est pas à sa place, ça s'arrête et on le remet à sa place. Ce n'est pas tant juste « je me libère, je pardonne, je lâche prise ». Non, on officialise. Hein. Là. Ok. On arrête les choses par de l'officialisation et ça révèle ça révèle des vérités. J'ai l'impression qu'autour de vous, il y a plein de monde qui pourrait se dire « waouh, il se passait ça, elle vivait ça, il vivait ça, oui ». J'ai ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ça ? Ce sentiment du coup d'injustice, de caché, de secret, etc. Ouais. La peur de perdre. La peur de perdre de l'argent, la peur de se sentir rejeté, abandonné. On abandonne tout ce qui ne... On a peut-être la sensation d'y perdre, mais en réalité, on se rend compte qu'en abandonnant tout ce qui n'est pas juste, déclaré dans la vérité et en cohésion entre ce qu'on ressent et ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas. Tout ce qu'on ressent qui n'est pas réel, on fait en sorte que ça le soit. Si ça ne l'est pas, c'est ok, je laisse derrière, j'abandonne. Même la sensation de perdre, de me faire abandonner, non. C'est moi qui suis en train jusque-là de m'abandonner en ne révélant pas ce que j'ai à dire, en ne mettant pas au clair officiellement ce que j'ai à dire, ce que j'ai à faire. Waouh, c'est puissant, hein. Ok. Ok, ok. Comment vous vous sentez, vous, là, dans ce qui s'arrête ? On arrête aussi avec la peur de l'abandon, la peur d'y perdre, la peur d'y laisser des plumes, la peur de ne pas avoir d'argent. Il y avait une injustice et un déséquilibre, j'entends, peut-être lié à de l'argent aussi. On arrête de galérer matériellement et financièrement. En faisant des démarches, ou en décidant de signer quelque chose ou de mettre en place quelque chose qui peut-être était caché jusque-là, qu'on ne voyait pas ou qu'on ne voulait pas voir parce que c'était peut-être une situation inconfortable à mettre en place pour obtenir ce qui pourrait nous sortir de la misère, là. Mais c'est comme si qu'on se dit « j'ai pas le choix, enfin si, on ne me laisse pas le choix ». Là, vous vous imposez. Vous vous imposez, mais vous êtes juste. C'est juste pour vous, en fait. Vous n'êtes pas quelqu'un d'injuste, là. Et vous n'êtes pas quelqu'un de déséquilibré ou quelqu'un de... Non. C'est justement par cette action que vous mettez un stop à tout ce qui est injuste. Waouh. Comment vous vous sentez, là, avec ce qui s'arrête ? Waouh. Le courage, la témérité et l'audace. Vous faites les bons choix pour vous.
Vous vous sentez beaucoup plus courageux et courageuse. Jusque-là, vous n'aviez quand même pas l'impulsion. Vous n'aviez pas. Vous cherchiez ça, le courage, le fait de faire le pas. Et vous le faites maintenant. Et vous ne lâcherez pas l'affaire. Vous êtes bien déterminé à obtenir justice, d'une manière ou d'une autre. Et vous savez, quand on dit toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, j'ai l'impression que vous n'êtes plus en accord avec ça. Parce que visiblement, ok, mais c'est trop facile de faire croire à quelqu'un, en gros, je vous donne le truc, comme je le ressens. C'est trop facile de faire croire à quelqu'un que si cette personne révèle des choses ou met en place des choses qui sont justes pour lui ou pour elle, c'est lui ou elle la méchante. C'est trop facile. Non. Ce qui est pourri, c'est de se plier à vivre quelque chose parce qu'on nous fait croire qu'on ne serait pas quelqu'un de bien si on n'était pas juste. Et j'ai comme l'impression que jusque-là, c'est un cadeau que vous faisiez aux autres de vous taire et de ne pas déclarer ou de ne pas mettre en lumière quelque chose. C'était pas pour leur faire un cadeau, mais ça leur faisait un cadeau. Et tout ça, vous vous en rendez compte et stop, c'est terminé. Quoi? Et je le sens d'une force, Mélion. Ouh. Ok. Et vous ferez ce qu'il faut. Et vous vous sentez prêt ou prête. Vous êtes prêt ou prête. Voilà comment ça vous fait sentir. Et puis à continuer comme ça, c'est-à-dire qu'à partir de ça, on ne vous mettra plus jamais des bâtons dans les roues. Voilà, c'est comme une promesse que vous vous faites à vous-même. On ne vous cachera plus, on ne vous mentira plus, et vous-même, vis-à-vis de vous-même, vous vous direz, à partir de maintenant, je ferai les bons actes en fonction de ce que ça me fait ressentir. Je trouve quel est le sentiment principal que je vis généralement, et je ferai les actes qu'il faut pour régler cet émotionnel. Là, ça, en fait, c'est un mélange entre c'est ce qui s'arrête, mais c'est ce qui est nécessaire de faire pour la suite. Je le ressens comme ça. Donc vous, ce qui va déterminer la suite, c'est directement lié à ce que vous mettez en place par justice pour vous. Ok. Quel conseil on vous donne, mes lions? Par rapport à ce que je viens de vous dire. Quel conseil pour mes lions? Non, une seule. Hop. Ok. La force. Votre carte. Puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté, compassion qui amène le pardon, réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Incroyable. Il est d'une clarté, d'une justesse et d'une justice. C'est, ah, vous croyez à la justice divine, mais c'est, je vais tout faire pour qu'il y ait quand même la justice des hommes. Et le courage témérité et audace, c'est clairement la force. Vous allez rester doux et douce, en maîtrise de vous-même. Mais c'est-à-dire que ce qui sera mis en place dans votre côté instinctif, sauvage, sera directement en alignement avec vos émotions. Avec la force, je dis toujours, c'est une main de fer dans un gant de velours. Voilà comment vous allez vous sentir. En place, vous-même. C'est vous qui devez, c'est sur votre tête qu'on doit mettre la couronne. Et là, je me sens très déterminée à vous donner le message. Ok. Ce qui s'arrête pour vous, c'est le fait de se sentir faible. C'est le fait de ne pas avoir la sensation ou la peur ou ce qu'on vous fait croire de ne pas y aller. C'est la peur de perdre. C'est toutes les menaces qu'on vous fait ou qu'on vous fait sentir ou supposer de s'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, tu vas perdre ci ou ça. Ou attention, tu pourrais être abandonné, rejeté, etc., etc. Tout ça là. Basta. Ok. Qu'est-ce qui continue? Et c'est là où c'est paradoxal. C'est que le 7 d'épée, souvent, c'est.
la malhonnêteté, la fuite et le mensonge. Donc, est-ce... Ah non, ok, j'entends. Parce que c'est aussi le courage de voir ce qu'on fuit. Le courage de voir où on se fait trahir et où on se trahit soi. Vous allez persister dans le travail du courage que vous avez de mettre en lumière. Vous êtes comme un enquêteur ou une enquêtrice. Là, clairement, en gros, c'est le justicier, quoi. Et vous voulez... Alors, vous pourriez continuer, et ça pourrait quand même persister, le travail de la fuite, je me mens à moi-même, etc. Mais c'est pour ça que je vous disais, il y a une vraie nécessité à ce que ça s'arrête. Parce que sinon, on va continuer à vous faire croire des choses, à vous mentir, à fuir, à pas assumer. Et du coup, tout ce que vous avez à dire et déclarer, ça continuera de rester là comme ça. D'accord? Voilà pourquoi... Je pense que là, le conseil qui va vous être donné, c'est ne fuis pas. Continue de ne pas fuir. Continue d'avoir la volonté de révéler. Et aie le courage. Tant pis. Quoi qu'on pense de toi, quoi qu'on dise sur toi, quoi qu'on puisse faire croire que tu es ou que tu n'es pas, tant pis. Bien souvent, c'est ceux qui vous font du mal qui vous font croire que c'est vous qui avez les torts. Mais là, on a affaire à de la manipulation. Dans une relation, quelle qu'elle soit professionnelle, amicale, sentimentale, familiale, même avec les enfants, peu importe, quand il y a quelque chose, qu'il y a un conflit, qu'il y a un problème et qu'on vous dit tout est de ta faute, rien n'est de la mienne, d'accord? On fuit. Vous allez continuer à vouloir fuir. Mais par contre, le conseil qu'on vous donne, c'est pour être sûr que ça ne se représente pas ou que tu n'aies pas l'impression d'avoir des regrets, d'accord? Révèle tout avant de partir. Révèle la vérité. Parce que sinon, vous auriez l'impression de vous trahir vous-même. Sinon, vous auriez l'impression de ne pas avoir bouclé une boucle, pas avoir bouclé un chapitre. Voyez, il y a vraiment cette notion de oui, je pardonne. Mais c'est pas, vous savez, quand je vous disais, c'est pas juste le lâcher prise, le pardon et je m'en vais comme ça. Non, c'est-à-dire que vous, pour être sûr de pouvoir avancer et avoir du courage, d'être sûr de mettre des stops par la suite ou dans cette situation, il faut, c'est pas juste, je pardonne, j'accepte et j'avance. Non, c'est je dis, je révèle. Voilà. Maintenant que tout est dit, qu'est-ce qu'on fait? On fuit, on reste, on fait quoi? Et vous allez affronter, j'ai l'impression, vous aurez la volonté de vouloir affronter tout ce que on vous a poussé à fuir ou tout ce que vous avez eu la sensation de fuir. Je vous donne, j'ai cette image qui m'est venue dans la tête. Vous savez, il y a des gens, par exemple, je suis tombée l'autre jour par, ben pas par hasard du coup, je pense que je comprenais pas pourquoi j'avais ce genre de contenu qui s'affichait. Et en fait, là, je le comprends. C'était pour qu'on puisse me donner l'image de la compréhension de ce tirage. Okay. Il y a des gens qui ont des chaînes YouTube et qui font des espèces d'investigations sans se mettre hors la loi et tout, parce qu'ils ne sont ni dans la police, ni dans des associations officielles ou quoi, machin. Donc, ils ne se mettent pas hors la loi, mais qui, par exemple, traquent tel type de personnes sur Internet pour ensuite aller à la police et dénoncer et démasquer. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai ça, là. J'ai ça comme info. C'est, je ne fuis pas les gens autour. Par contre, je dénonce. Ok. Parce qu'à chaque fois que vous avez fui, vous pensiez que ça vous mettait en sécurité, mais ça permettait juste à ces gens-là de pouvoir continuer, ou ces situations-là, de pouvoir continuer, ben, clairement, à persister, à vous trahir et à obtenir de vous tout ce que vous en aviez marre, quoi. Ouais. Ok. Très bien. Pourquoi ce 7 d'épée là, s'il vous plaît, pour mes lions, dans ce qui continue. L'exaltation. Waouh. Et alors, j'ai un esprit, c'est pas vengeur, hein, d'accord? Parce que se venger, c'est pas bien. Bah, voyez, c'est ce que je vous disais, c'est que ces gens-là qui traquent certains types de personnes, qui font des choses parfois immondes, hein, d'accord? Ils vont pas aller les trouver pour aller chez eux, se mettre hors la loi et se faire justice eux-mêmes. Non, ils passent par la justice pour que
cette personne arrête, pour qu'il y ait dénonciation, pour qu'il y ait, voyez. Et quelque part, c'est comme ça qu'on exalte, qu'on exulte, qu'on est dans l'exaltation. C'est pas en se vengeant, mais c'est quelque part une revanche, voyez. C'est pas une vengeance, c'est une revanche. Et on se sent bien, et finalement on se sent mieux en révélant certaines choses et en ne fuyant pas, que en juste partant. Et voilà, parce que, ok, j'ai compris l'impact que ça aura. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas été corrects avec vous, ça aura un tel impact fort que si juste vous partez, ça leur permet de pouvoir faire ça après, peut-être avec d'autres. Et là, il y a vraiment cette notion de c'est pas pour ça que vous le faites, c'est pour vous rendre justice à vous-même, mais de manière légale, ok. Mais si, en prime, ça peut faire en sorte que ces personnes-là, elles y réfléchissent à deux fois avant de vouloir aller pourrir quelqu'un d'autre, eh ben double jackpot. Et c'est en ça que vous êtes exaltés. C'est que du coup, c'est ces personnes qui se retrouvent, ben, presque limite, il faudrait que ça change de ville, de pays, quoi. Vous voyez le genre. C'est impressionnant. Et vous, vous allez complètement, clairement jubiler d'affronter au final. Ça a pu vous faire très peur à un moment donné, mais à un moment donné, vous allez vous dire « Mais attends, mais si c'était ça qui me faisait du bien, de ne pas fuir parce que ce serait moi le problème, mais juste d'affronter parce que c'est justement ça ou eux le problème. » Là, prenez vraiment comme ça résonne. Je ne sais pas du tout dans quel domaine ça peut vous résonner, mais Lyon, mais en tout cas, c'est fort. Hein. My God. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette exaltation-là? Le cavalier de bâton, on vous conseille de faire confiance en vous, d'être optimiste, d'être sûr d'avoir de faire ce qu'il faut. Vous allez placer les bons actes avec la bonne intensité, n'en déplaise autour, et ça va vous faire retrouver une espèce de joie de vivre, d'optimisme, d'élan. Et de confiance en vous, hein, clairement. Et vous êtes la personne qui révélait, vous êtes la personne qui dénonçait, vous êtes la personne qui communiquait, vous êtes celle qui tape à toutes les portes, là. Hein, et qui tapera à toutes les portes jusqu'à trouver sa victoire. Mon Dieu. Parce qu'en fait, on pensait qu'on allait avancer en réussissant à pardonner et s'apaiser soi et en se remettant soi en question. Mais là, la remise en question, ce n'était pas juste « je dois digérer pour avancer ». La remise en question, c'est « je dois dénoncer pour me prouver à moi que j'ai confiance en moi et pouvoir avancer vers ma victoire, mes projets et tout ce que je veux mettre en place ». On ne fuit pas tout ce qu'on veut mettre en place. On y va avec fierté, bravoure, courage, optimisme. Et ça peut concerner plusieurs domaines. Et c'est un état d'esprit que vous incarnez. Donc, ce sera comme ça, quel que soit le domaine. J'ai l'impression. Ok. Alors, comment vous vous sentez par rapport à ce qui continue? On continue d'avancer, là. Le cavalier de bâton, il va de l'avant. Avec ce 7 d'épée, il y a toujours cette notion de courage, quand même. Prière, foi et vœux. Le magicien, on est entreprenant, entreprenante, on devient maître de sa vie, là. Et en même temps, on croit en l'univers. C'est-à-dire qu'en faisant cet acte-là, c'est là qu'on comprend que l'univers, c'était ça qu'il voulait que vous fassiez. Et quelque part, là, l'univers, du coup, en fait, si vous avez pensé qu'à un moment donné, que c'était en digérant, en travaillant sur vous, en guérissant seul vos blessures, que vous alliez avancer, l'univers attendait de vous quand même que vous rétablissiez justice et vous dit il y aura une justice divine, d'accord? Et parce qu'il y a la justice divine, ou la justice des hommes, ou les deux, vous retrouvez la foi, vous y croyez, vous croyez en vous, avec le un, c'est l'ego, c'est le moi, c'est le comment moi je suis perçu. Et en fait, vous vous en fichez. Tant que vous avez votre âme qui est alignée avec vous, vos guides, l'univers et ce que vous avez souhaité et voulu, il n'y a que ça qui compte. Et ça, c'est ce qui se met en place et qui continue et qui continuera. Continuez de croire en vous,
en vos compétences, en vos capacités. Et si ce n'est pas le cas, que vous ne croyez pas en vous, là, on vous dit clairement, crois en toi. Tous les jours, tout le temps. C'est ça qui continue et c'est ça qui doit continuer. Vous retrouvez la foi, vous retrouvez foi en vous, foi en l'univers. Parce que du coup, comme vous avancez, mais pas forcément de la manière dont vous pensiez au départ, et que vous faites en le faisant quelque chose de concret, avec affirmation, bravoure et courage, ben là, bizarrement, l'univers, tac, 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 vous met des trucs qui vous aident vraiment dans ce sens et vous dites, c'est comme ça que vous comprenez, vous dites, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Ok, j'ai compris. Oui, je devais avancer, mais c'était pas la seule, c'était pas... Il manquait une pièce. Et la pièce, c'est l'avancement ne se fait pas forcément par je contourne. Vous y allez franco droit devant. Quitte à devoir affronter l'obstacle. Et on va vous donner les outils sur l'instant, ou les rencontres, ou les connaissances, ou les compétences, ou les bonnes pièces, ou les bons trucs qui vont faire que on ne pourra rien y redire. Incroyable. Et ce qui est essentiel, c'est que qu'on veuille vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas ou pas, de un, vous vous en fichez, et de deux, ça ne marchera pas. Donc, si c'était la peur principale, je pense que c'est ça que vous affrontez. Et vous vous rendrez compte que finalement, vous êtes en train, en plus dans l'instant présent, d'acquérir en plus d'autres compétences. Non seulement j'ai plus peur, je m'en fiche de ce qu'on pense de moi, c'est juste pour moi, c'est comme ça. Et puis en plus, je suis capable de le faire. Et je suis capable d'obtenir. Je ne recule plus face à ce que j'identifie comme étant du danger. Quel conseil on vous donne, l'Amélion? Le soleil, magnifique. Encore une de vos cartes. Période de grande joie et succès, brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses, plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Oui, mais c'est vous aussi que vous pouvez remercier. Vous aurez les idées très claires, vous serez très optimiste. Vous aurez la victoire, c'est le bon moment. Et vous le savez, il y a une belle récolte. Quoi qu'il arrive, tout est mis en lumière. Petit à petit, chaque instant est révélateur et vous mettez tout en lumière sur 2024. Là, je vois 2024 comme 2024, c'est votre grand moment présent. Exceptionnel. Pouh. Ok. Qu'est-ce qui commence? Nouveau projet créatif. Magnifique. On s'écoute soi, on écoute son cœur. Beaucoup plus créatif, beaucoup plus confiance en soi émotionnellement. On n'a pas peur des nouveaux départs. On n'a pas peur des nouvelles rencontres. Ça n'empêche que ce qui est bien là, c'est que vous réglez ce qu'il y a à régler avec ceux avec qui ça ne va pas, mais ça ne vous empêche pas d'avoir des nouvelles relations, de vouloir avoir des nouveaux contacts, de vous faire confiance émotionnellement. Et de ce qui, là où vous êtes juste et équilibré, c'est que ce n'est pas parce que certains ou certaines ou des situations pourries vous ont coincé, bloqué, diminué, etc., ou vous ont fait perdre, vous ont fait peur ou quoi, que vous n'avez quand même pas foi au fait qu'il y ait de nouvelles opportunités, nouvelles personnes, nouvelles rencontres qui, par contre, elles n'ont rien à voir avec tout ça. D'accord? Donc, vous affirmer ne vous empêche pas d'aller de l'avant et d'avoir confiance émotionnellement. On peut parler là d'un nouveau projet créatif, professionnel, d'une nouvelle rencontre, projet d'enfant aussi. Ce qui commence, c'est le fait de mettre en avant les désirs de votre enfant intérieur. Il n'y a que ça qui compte. Quand vous regardez dans le rétroviseur de votre vie, vous dites « Mais moi, l'enfant intérieur que j'étais ne voulait pas de tout ça. » Donc maintenant, on va faire vraiment ce qu'on voulait faire depuis toujours. Super. C'est une très, très belle énergie de commencement et de nouveau départ. Qu'est-ce qui commence ? Nouveau projet créatif, quelque chose qui tient à cœur, quelque chose qui vous fait vous exprimer, mais dans le beau. Ok? Et ça passe par pas vous exprimer dans le mal, parce que vous n'exprimez pas le mal, vous exprimez la vérité. C'est pas vous le mal. Le mal, c'est tout ce que vous n'avez pas dit ou tout ce que vous ne révélez pas que vous avez subi.
qui ne vous empêchera pas à partir de maintenant de faire ça et en parallèle exprimer le beau. Voilà ce qu'on commence. Alors pourquoi, c'est quoi les intuitions? Vous écoutez vos intuitions, vous faites confiance, vous savez vers quoi vous devez aller, vous savez ce que vous devez commencer, vous savez. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément mettre des stops à des choses. Par contre, vous allez vous exprimer et dire tout. Ok, la situation elle est comme ça, comme ça, comme... D'accord, ok, non, voici toute la situation. Qu'est-ce qu'on fait? On continue, on ne continue pas? On reprend à zéro ou on ne reprend pas à zéro? Mais par contre, maintenant, on peut se le permettre puisque tout a été mis à plat. Et clairement, j'ai comme l'impression qu'il y a comme un début d'augmentation de vos intuitions, d'augmentation d'éveil spirituel, là. Nouveau commencement, nouvelle conscientisation. Et ça se joue sur un plan spirituel. Écoutez-vous, hein. Faites-vous confiance émotionnellement, vos intuitions ne vous trompent pas. Mais vos vraies intuitions. Et pour être sûr, ok j'entends, pour être sûr que vous êtes dans les intuitions et pas dans la peur, ben vous allez tout déballer, et en fonction de tout ce qu'on a déballé, donc le bon et le moins bon, d'accord, et d'affronter ça, mettre carte sur table, j'ai l'impression que du coup, à partir de là, ben vous direz, voilà, j'ai tout dit, j'ai tout révélé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, je suis prêt ou prête à repartir de zéro. Hein. Ou je suis prêt ou prête à accepter des excuses. Ou je suis prêt ou prête. Mais en fait, là, vous serez dans l'intuition. Parce que sans révéler tout ça, il y a ce que vous ressentez et ce que vous gardez à l'intérieur de vous qui n'est pas exprimé. Et qui n'est pas juste, du coup, et qui vous déséquilibre complètement. Du coup, vous ne savez plus démêler le vrai du faux. Vous voyez ? C'est comme quand on veut trier une boîte. On ne trie pas la boîte dans la boîte, non. On renverse tout, hein. On étale tout, on fait la poussière. Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on jette ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Là, on y voit beaucoup plus clair. C'est précisément ce que vous faites. J'adore. J'adore votre énergie. Ça ne va pas être très évident, mes lions, je pense. Il va falloir le vivre. Mais je pense que très honnêtement, c'est vraiment nécessaire. Mais vous le savez. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit sur ça? Le 10 d'épée, fin de cycle douloureux. 2024, c'est une année charnière et importante pour vous. Beaucoup de deuil. On met des stops à toutes les blessures. On arrête de ne pas écouter ses sentiments. On arrête avec le mental. On vous dit que les difficultés s'arrêtent. Ça n'aurait pas fait quelqu'un de plus gentil de vous... Pardon, ma phrase est complètement à l'envers. Ça n'aurait pas fait de vous quelqu'un de plus gentil que de juste se guérir soi. Non. Parce que là, clairement, de faire ça, ça peut faire partie du processus de guérison et de, au moins je m'affirme. Au passage, les gens savent que maintenant, ça, c'est terminé. Et j'ai vraiment cette sensation que c'est pas juste je fais mon deuil seul dans mon coin et ça va me prendre 5 ans. Oui, on peut le faire comme ça. J'ai l'impression que c'était votre objectif ou vous pensiez que c'est comme ça que ça allait se faire. Et finalement, non. Ça peut se faire en une année. Hein. Ou dans l'année. Parce que là, on ne prend pas l'année comme ça, ça et ça. Non, c'est tout ça qui se joue en même temps. Donc, si ça se peut, même janvier, hein, bim. Vous voyez ? Mais ça vous permet justement, peut-être, de justement faire le deuil, rapidement mettre en place quelque chose, déclarer une vérité, ne pas fuir, pour arrêter très rapidement, faire le deuil, arrêter une situation difficile, pour justement ne faire focus que sur ce qui va commencer et va se développer par la suite. Vous voyez ? J'ai vraiment ça. Tout est très lié quand même. Ok. Comment vous allez vous sentir, vous, dans ce qui commence, là? Voyez, c'est dingue parce que quand je vous disais, tout est comme lié. J'ai
Ce qui s'arrête, c'est la justice, et ce qui continue, j'ai la trahison. Mais c'est pas du tout ça, en fait. C'est justement l'injustice qui s'arrête et le fait d'affronter et d'avoir le courage et de ne pas fuir le fait de révéler une justice. C'est vraiment comme ça. Sinon, j'aurais pas eu ces cartes-là hein, qui suivent. Et ce qui est fou, c'est que vous, votre nouveau départ est intrinsèquement lié à un arrêt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. Ça a été très long, mais tout est lié. Comment vous vous sentez-vous dans ce commencement? Passion, désir et sexualité. Vous comblez tous vos désirs. Vous avez de nouveau beaucoup d'envie, beaucoup d'élan, beaucoup de... pourquoi pas libido qui revient. La passion revient. Mais c'est pas forcément... Alors, ça peut être sentimental, d'accord? Peut-être que vous aviez des difficultés, là, pour certains ou certaines, à avoir des enfants. Et il y avait un problème lié justement à ce qui pouvait être lié à la sexualité dans le médical ou quelque chose comme ça. Et là, il y a des choses qui sont mises en place, d'accord, pour pouvoir justement avoir un enfant. On peut le voir comme ça. Maintenant, d'une manière plus générale et globale, passion, désir et sexualité, c'est le neuf, l'ermite, à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous voulez? C'est tout ça que vous allez mettre en place. Sachez une chose, c'est que... Nouveau départ sentimental, il y aura projet où il y a plein de désirs, plein de passions. Là, c'est pas juste un travail qu'on fait, c'est on s'occupe au quotidien avec ce qu'on aime faire. C'est différent. Ça vous nourrit positivement, ça vous pousse à vouloir encore faire grandir le truc et vraiment, ça vous, il y a l'exaltation, l'exaltation. C'est clairement ça. Et sur cette phrase, il y a écrit. C'est trop aimer quand on en meurt. Ok? On ne veut plus mourir d'amour. On veut vivre d'amour, plus en mourir. Donc, ça peut être, si je fais cette activité professionnelle, c'est en train de me tuer à petit feu, moi c'est ça que je rêve de faire, je le mets en place, sinon ça va me faire crever, ça me fait crever de l'intérieur. Cette relation-là, non, je ne veux pas mourir d'amour. J'en meurs d'amour, on n'est pas censé en mourir d'amour, on est censé vibrer d'amour. Vivre, rayonner. Et c'est ce qui se passe là. On met un terme à un état, une situation telle qu'elle était. Il y a ce nouveau départ. Quoi qu'il arrive là, vous vous épanouissez concrètement. Vous vous sentez épanoui dans ce nouveau départ ou dans ce commencement. Et ça a passé par devoir faire. Devoir vivre plein de choses extrêmement difficiles. Mais cette difficulté s'arrête. Parce que vous vous faites confiance émotionnellement et que vous acceptez par vos intuitions, soit de persister tout en révélant quand même, et c'est la révélation qui va faire que, ben, à un moment donné, quoi qu'il arrive, vous vous prendrez un nouveau départ. C'est tout ce qui compte. Très bien. J'espère pour vous que les gens malhonnêtes autour de vous sont prêts, hein. Parce que vous, vous êtes prêt ou prête. Hein. Quoi qu'il arrive, vous aurez ce que vous voulez. Mais ce n'est pas juste en me taisant, en partant et en guérissant moi pendant des années de mon côté. Non. La révélation, ça va faire que ça contribuera au fait que, du coup, j'aurai pleinement confiance en moi. Et ça voudra dire aussi une chose. À partir de maintenant, attention à tout ce que vous me faites, ce que vous me dites qui n'existe pas. Ce qui me trahit, ce qui est injuste, ce qui est déséquilibré, ce qui me fait mal. Parce que ça, je ne l'accepte plus. Moi, maintenant, je n'accepte que de m'épanouir. Et vous avez bien raison, Mélion. Quel conseil on vous donne? Le 8 de bâton. Beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages, de la rapidité, de l'avancement, du voyage, du déménagement. C'est du feu, hein. Le bâton, c'est du feu, hein. Beaucoup de communication. Les choses bougent, avancent rapidement. Il peut y avoir beaucoup de domaines dans lesquels ça bouge et ça change. Beaucoup d'énergie à devoir mettre. Mais en fait, vous vous en fichez, vous, d'être fatigué d'amour. D'être fatigué de faire des choses qui vous plaisent. Vous pourriez faire... Là, actuellement, vous êtes dans une optique où peut-être dans la journée, vous allez faire deux trucs, mais vous êtes complètement épuisé. Là, vous allez peut-être... Ça va être épuisant, hein? Ça va être fatigant. Il y aura beaucoup de choses à gérer. Mais vous les gérerez.
parce que ce sera que du positif. Parce que ce ne sera que dans l'optique d'avancer. Et on parle encore de démarches, hein. De démarches peut-être officielles, écrites, de courriers, tout ça. OK? Qui font avancer, qui font bouger les choses. Donc il se passe trop de choses. Stress causé par de nombreuses opportunités positives. C'est sûr que ça peut être stressant, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On préfère être stressé de bonheur, d'accord, que mourir d'amour. Clairement. C'est comme ça qu'on vient me le confirmer. Événements inattendus ou changements rapides, capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, voyage d'affaires. Moi, je vous dis, vous bougez, hein. Vous bougez, c'est très positif. Ça s'accélère. Vous accélérez. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup d'opportunités. Et bien sûr que ça peut être stressant. Mais là où ça va tout changer, c'est que chaque chose, vous vivrez pleinement, en fait. OK. Quel message ou quel conseil pour mes lions? Vous avez vu quand je vous ai dit, j'ai l'impression que c'est comme si pour moi, je voyais votre année 2024 comme toute l'année 2024, c'est votre moment présent. Faites que chaque jour compte. Ben voilà. On vient me le confirmer. Je l'ai vraiment senti. Tout est en même temps, mais se règle en même temps rapidement et avance rapidement dans le positif. Et ça, on va faire en sorte que ça se passe chaque jour, chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois, de toute l'année 2024. Vous n'y parviendrez pas à 100% dans la perfection, mais c'est un objectif. Voilà. Et c'est maintenant qu'on est vivant. C'est pas demain. Et pas dans 3 jours, ou dans 6 mois, ou dans 1 an, ou dans 10 ans. C'est maintenant. Attention, dans 3 jours, dans 5 ans, dans 10 ans, vous serez toujours vivant. Et pour pouvoir être vivant dans 10 ans, il faut commencer à être vivant maintenant. Et c'est ça qu'on vous dit. Et c'est ça qui se passe pour vous en 2024. J'ai hâte. J'ai hâte pour vous. OK. Quelle affirmation positive peut vous aider, vous accompagner sur cette année 2024, mes lions? C'est fou, les béliers ont eu la même que vous juste avant. Je suis une rêveuse avec la 44, je le dis, 44 pour moi personnellement. 44, 444, que ce soit en numérologie, quand je sors de chez moi, quand je tire des cartes, c'est la confirmation directe des guides. Stabilité, construction, engagement, c'est magnifique. Je suis une rêveuse, je réalise mes rêves. Je ne rêve plus ma vie, je vis mes rêves. Donc, ce qui peut vous aider, c'est qu'est-ce qui vous épanouit, qu'est-ce qui vous fait rêver, vers quoi vous voulez aller, comment l'obtenir? Je ne peux pas l'obtenir parce que tout ne dépend pas de moi, mais en même temps, on me ment, on me trahit et c'est instable, c'est pas juste. D'accord, je révèle tout, je me casse et je vais accomplir mon rêve. Basta! Ok. Mais Lion, s'il y a des gens à qui vous avez un message à faire passer, à quelqu'un en particulier, sans que ça provoque de guerre et tout ça, machin, mais voilà, vous voulez faire entendre, commencer par faire entendre un message? Partagez ma vidéo, envoyez le lien. La personne concernée ou les gens concernés regarderont le message. Je dirai, mais je comprends pas. Eh ben, tu comprends pas. Pourtant, pour moi, c'est très clair. Ok, maintenant, je vais t'expliquer. Le faites pas de suite, mais si dans l'année, il y a un truc comme ça, n'hésitez pas. Revenez sur la vidéo, envoyez le lien, dites, regarde cette vidéo et après, je t'explique. Ça peut vous aider. C'est avec plaisir. C'est cadeau, c'est pour moi. Voilà, mes lions. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je reviendrai un petit peu plus tard vers vous pour vos énergies générales pour le mois de janvier, du coup 2024. Mais en attendant, vous avez mon infinie gratitude pour tout pour cette année 2023. Vivement 2024, ça va être génial, j'en suis convaincue. Je vous fais plein plein de gros bisous, je vous aime fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.